Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc notre ami Nikos qui est avec nous, ouais, comme chaque vendredi. Salut, oui. Le morning, salut les loups, salut July, Thomas, Natasha, Lolo, John, Mark, Morandini. Salut à tous et bravo. Bravo, oui, il faut dire bravo. Bravo à Jean-Pierre. Ah, à Jean-Pierre. Bah oui, pour son super coup, Jean-Pierre, super coup. Hier, l'interview de Napoléon, on exclut. Ouais, c'est gentil. Mais je vais te dire une chose, Nikos, je lui parle plus à cet enfoiré de Napoléon. Tu sais quoi? Il m'avait promis de me réserver l'exclu. Et derrière, il fait quoi? Il fait pas son crâneur sur les télés. C'est bien fait pour sa gueule s'il a paumé à Waterloo. Oui, enfin, Jean-Pierre, faut pas t'énerver comme ça. En plus, comment te dire, c'était pas le vrai Napoléon, en fait. C'était un faux. Oui, bonjour, c'est Dominique. Oula. Honnêtement, je suis d'accord avec Nico Segas. On s'en fiche un peu, Napoléon, franchement, tout ça, pour quelqu'un qui portait le bicorne. Vous savez, il y en a qui ont fait beaucoup mieux dans l'histoire depuis. Tenez, prenez par exemple mon ancienne compagne, Anne. Elle était beaucoup plus que bicorne, elle était multicorne. Non. Anne, viens montrer que tu fais beaucoup mieux que Napoléon. Non, écoutez, on ne va peut-être pas la déranger pour ça. Non, merci c'est Dominique Strauss-Kahn. Nikos, on revient à vous. Samedi soir, vous présentez la meilleure chanson de l'année sur TF1. Et France Télé propose la fête de la musique. Et on dit que c'est un petit peu la guerre entre vous pour avoir les meilleurs chanteurs demain. Mais non. Kenji, par exemple, il est annoncé sur les deux chaînes. Mais non, il n'y a pas photo. Non. Kenji sera chez nous sur TF1. Si, je vous préviens, s'il met un cil sur France 2, on lui fait une Leonardo direct. Ah mais je m'engage, je prends l'avion de Valls et je le dépose moi-même. Très honnêtement, Thomas, Julie, qui a le meilleur casting de chanteurs? C'est nous, c'est TF1, on a Mika, on a Kenji, Aziz, Avenger, on a Christine and the Queens, on a Cabrel. Cabrel qui, bon, c'est vrai, je le reconnais, ne chantera pas une petite pipe avant d'aller dormir, mais une de ses plus belles chansons. Et sur France 2, Laurent, ils ont qui? Ils ont Stromae, c'est vrai. Stromae est à l'hosto. Bah oui, il est pas bien. Bon, enfin bref, regardez ce que vous voulez, je ne veux surtout pas vous influencer. Allez, c'est parti pour les titles of the news of today. Allez, Nikos, on vous écoute. Julie Gayet, la discrète. C'est l'adjectif, vous l'aurez remarqué, qui revient dans la presse le plus souvent pour qualifier la ravissante compagne de notre président. Julie Gayet, qui s'est faite discrète au Festival de Cannes, puis ensuite elle a été discrète pour son intronisation à Saint-Émilion, puis discrète au Mont-Valérien, puis discrète à Roland-Garros, discrète aussi à la soirée Chanel, puis discrète en couverture de match. Juste une question, dis donc, on la voit un peu beaucoup pour une discrète, non? Son amoureux François Hollande était là aussi, bien sûr, mais trop éloigné de sa discrète compagne pour qu'il puisse lui rouler l'appel du 18 juin. Ouais, oh, que c'est beau, Nico. Oui, ah, bravo. Fait. Alors là, très, très bien. Qui a volé l'orange du marchand. Chantait-on, vous vous en souvenez, à la Starac. C'était à la Starac, ça, la reprise. Oui. Comment s'appelait-il? Bah, c'est Gilbert Bécaud. Michel. Alors, l'affaire est plus grave. Les photos parlent d'elles-mêmes dans Paris Match. Ça s'est passé à l'hôtel Bristol pour la fondation Maud Fontenoy. Et quelqu'un a volé le fut d'Elsa Gilberstein. On adore Elsa Gilberstein, mais dans ce vol nous fait beaucoup de peine. La photo est très claire, vous l'avez la photo. Voilà, on voit, elle a le haut, mais le petit pantalon en 36 beige Sahara a disparu. Si vous le trouvez, ramenez-le à Europe 1 qui transmettra. Alors, bien sûr, cette vanne est très visuelle. Mais oui, parce qu'on n'a pas la photo là, on n'a pas un bon choix pour les auteurs qui n'ont pas la photo et qui n'ont pas match. Et ça peut inciter à vendre un peu match, c'est pas mal. On regardera. Ça fait partie, je vous rappelle, de la guerre active. Voilà, alors, nouvelle mode, John Mark Morandini est au courant. Les femmes sont folles du dad body. Alors, dad body, c'est le corps de papa avec le petit ventrounet. Ah oui, on en a parlé, c'est ça. Là, il y a DiCaprio, il y a Simon Baker, le mentaliste, Laurent Delahousse. Oui, bon, enfin, ils sont pas complètement pourris non plus. Oui, ça c'est vrai. Alors là. On peut avoir le petit ventrounet quand on s'appelle DiCaprio, Simon Baker ou Delahousse. C'est comestible. C'est comestible. Comment tu sais que j'ai un ventrounet? Bon, enfin, bref. Alors, autre mode en Algérie, c'est le dead body. Le dead body, on prend un mort et on l'assoit sur une chaise de président et on le laisse gouverner. Oh là là là. Voilà, à toi July et à demain sur TF1 pour la chanson de l'année. Et puis à demain matin sur Europe 1, 11h aussi. Hein. Oui. François Hollande a promis le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source pour 2018 et l'augmentation des salaires pour 2017. À droite, on trouve que les bonnes nouvelles pile après la prochaine présidentielle, c'est un peu gros. Bonjour Nicolas Sarkozy. Oui, non mais franchement,
Franchement, on en est là. C'est ça, franchement, Mme Polony, le niveau de la politique que propose les socialistes. Si vous me réélisez, pardon, si vous refaites la connerie de me réélire, ce sera, je le dis, super. Ce sera année blanche d'impôts, puis on augmente tous les fonctionnaires, puis il fera beau tous les jours. Mais d'abord, il faut me réélire. Vous savez avec qui que je fais ça, moi ? Non. Hein, moi, je fais ça avec ma petite Julia. Hein, je lui dis, si tu finis pas ta soupe, après, tu auras ta crêpe au Nutella. Hein, comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Je fais plaisir à ma fille et j'emmerde Ségolène Royal avec le Nutella en même temps. Oui. Je vais le dire aux Français qui nous écoutent. Hollande vous traite comme des gamins de 4 ans et vous prend pour des cons. Voilà. Enfin, ça a dû vous arriver aussi à vous, Nicolas Sarkozy. Oui, oui, souvent. Mais je prenais les Français pour des cons adultes, hein, pas pour des cons enfants. Et ça, ça fait toute la différence. Allez, Julia, encore 3 crêpes et tu auras fini ton pot de Nutella familial. Si vous avez compris, c'est un geste politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Ségolène Royal a mis les Italiens très, très en colère avec sa sortie sur le Nutella, justement. Bonjour, Madame Royal. Oui, bonjour. Alors, autant le Roundup s'est bien passé, autant le Nutella, c'est une affaire d'État. Hein, maintenant, ça vous inspire quoi ? Bien écoutez, cela prouve qu'il y a plus de bouffeurs de Nutella que de jardiniers. Ah bah oui, c'est pas faux, oui. Votre combat contre la déforestation est louable, mais Nutella jure avoir fait des efforts. C'est Glenn oui, Royal. Oui, mais écoutez, rendez-vous compte, Madame Julie, des ravages de cette huile de palme. Hein, qui vient de Poposie, de Poposie, l'île de Paul, hein, qui traverse donc la terre entière pour venir atterrir chez nous, non sur notre cul, oui, sans passer par Orly ou Charles de Gaulle, hein, sans parler de ces tribus déplacées en Poposie. Donc je le dis, quand je vois un enfant dans la rue manger une crêpe, je lui dis, je n'hésite pas, je lui dis, régale-toi, petit bout de chou, mais sache qu'à cause de ta crêpe au Nutella, tu es responsable de la mort d'une tribu de 130 personnes. Bon appétit, mon petit bout de chou. Merci, Ségolène Royal. Hier avaient lieu les commémorations de l'appel du 18 juin, quand le général de Gaulle parlait à la France en direct des studios de Radio Londres. À ce sujet, le département fiction d'Europe 1 a imaginé ce que donnerait cet appel aujourd'hui. Radio Londres. Salut à tous, bienvenue sur Radio Londres. Pour des hits et du fun, on va écouter dans un instant le dernier single de Black M. Il y aura aussi Maître Gims et Stromae. Des tubes. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des t-shirts marqués Résistant of the Maquis. On va envoyer en des SMS codés à la station. La gueule. Et la Radio de Londres. Ouais, dans un instant, notre débat avec les auditeurs. Oui, je confirme. Il était déjà là, le goût. Sur le thème, Hitler, il est carrément what the fuck. Oh là là. On parlera de ces gros tarés de nazis. Non, mais les nazis, non, mais allô, quoi. Allez, on va leur botter le cul tout de suite après une page de publicité. Oh là là. C'est vrai que nature. Vous étiez déjà là, Jean-Marc, hein, dis donc. Allez, autre chose, les chauffeurs de taxi sont en colère contre l'application Uber. Ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à se filmer en train d'arrêter les chauffeurs Uber. On va d'ailleurs faire un petit tour chez Jean-Jacques Bourdin. Ah. Oui, 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 oui. Un peu de sérieux dans cette émission. Oui. Bonjour, bonjour à tous. C'est Jean-Jacques Bourdin, l'homme qui murmurait à l'oreille des taxis. On va parler de ces salauds d'Uber. Du beurre aujourd'hui, pas du beurre demi-sel. Non, non, du beurre, oui, on peut faire, oui. Europe 1 n'a pas le monopole de l'humour et des jeux de mots. Uber, donc, cette application qui permet à des chauffeurs amateurs de mettre, disons-le, du beurre dans les épinards. Tiens, pour changer, ce matin, on va interroger un taxi, un professionnel de la route, un gentleman du bitume, disons-le. Je crois, je vois ma fiche, je crois qu'il s'agit de René. Tiens, tiens. Bonjour René. Vous avez, je crois que vous êtes déjà intervenu à l'antenne, vous avez une petite rancœur contre Uber, je crois. René, c'est Jacques, tu me connais, hein, je ne suis pas un violent. Hein. Mais si je chope un Uber avec les collègues, on le fracasse direct. Hein. Putain les gars, où est-ce qu'on est là ? Chopez-le ! Descends de ta caisse, enculé ! Bonne de crabe ! Que se passe-t-il, René ? Allô, René ? René ? T'as vu,
t'amuse, hein? Ça t'amuse de manger notre pain, culé? Et on va t'apprendre, nous. On est... regarde-nous bien. On n'est pas les pédés de l'Europe Stop d'Europe 1. René, René, la violence ne résout rien, René. Qu'est-ce que vous faites, là, René, s'il vous plaît? Pardon. On a chopé un Uber, là. Putain, on l'a défoncé, cet enculé. Hein. On a chopé un Uber et on l'a défoncé, cet enculé. Ouais, en plus, Jacques, je me demande s'il était pas un peu pédophile, le mec, tu vois. Il avait une petite à l'arrière avec des couettes incartables, hein, et tu sais quoi? Il lui filait des BN, con. Putain, dégueulasse. Vous êtes Margeot, mais c'est ma fille, je suis son papa, je l'ai amené au collège juste. Oh putain, oh merde, putain, oh les gars, oh, putain, on s'est gouré là, oh. Ouais, mais demandez le renseignement avant de casser la gueule aux gens là, putain. Ouais, monsieur, on est désolé, quoi, ben ouais, on a cru que c'était un Uber. Oui, donc René, visiblement, c'était pas un Uber. Ouais, mais bon, on s'est fait avoir, toutes les apparences étaient contre lui, il était douché, le gars, la voiture ne sentait pas la clope, écoutez, en plus, c'est pédé d'Europe 1, le gars était souriant au volant, nous, on avait tous les indices, on est des sanguins, nos battes ont dépassé nos paroles. Écoutez, c'est touchant de votre part ce mea culpa. C'est beau, un homme qui s'excuse quelque part. Merci René pour ce témoignage plein d'empathie et d'humanité. À vous, Julie. Bon, on va pas finir là-dessus. Hein. Ah, Nikos, toujours là, Nikos? Dis donc, la chanson de l'année, faites la musique demain soir sur TF1. Quelle affiche, quand même, quelle affiche vous avez pour ce direct de Nîmes, là? Oui, c'est vrai, les loups, il y aura Mika, Cabrel, je le répète, Kenji, Louane, que vous avez chanté formidablement, Thomas, à 6h15, car chaque coup tenait 6h15. C'était Louane, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'était Louane qui chantait. Oh non. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, le jury de The Voice, Mika, Florent Pagny, Jennifer et Sophie, cher Thomas, pour vous, ne se sont pas retournés. Aïe, aïe, aïe. Ils se sont levés, ils sont barrés direct. Aïe, aïe. Moi, je connais une chanson Jean-Pierre. De Sylvie Vartan. La mammonia, c'est ma rivière. Moi, j'aime bien Nicolas Barré. Moi, j'aime bien Dutronc. J'aime les filles de la bourse de Francfort. J'aime les filles du CAC 40. J'aime les filles du CAC 40. Wall Street. Mais les filles, elles même pas. Oh, pauvre Nicolas. Nicolas mal barré. Bon, il y aura du vrai niveau demain soir, Nikos. Merci. Et on se retrouve. Ah, ouais, Nikos. On se retrouve lundi, Nicolas Cantou, juste avant 9h moins le quart.